le BEPC blanc, mais c'est à l'image du BEPC officiel que vous allez faire. C'est un examen préparatoire. Et donc, je vous demande beaucoup de concentration. On ne triche pas. C'est un examen préparatoire. Même à l'examen officiel aussi, ne trichez pas. Ça nous permet, après le BEPC blanc, de voir vos faiblesses et de les corriger pour que nous fassions de très bons résultats, département de Brazzaville. Des propos qui consacrent le lancement des épreuves écrites du BEPC blanc. L'examen test vise à évaluer les connaissances des élèves en moins de 2 mois de l'examen. Nous sommes partis du CEP, BAC, et maintenant c'est le BEPC blanc. Mais le constat, et vous avez fait le même constat que moi, c'est superbement calme. Partout nous sommes passés, depuis le CEP jusqu'à aujourd'hui au BEPC en passant par le baccalauréat, les hommes et les femmes du département scolaire de Brazzaville, les élèves aussi, ont pris conscience qu'il faut qu'on travaille, comme dit le chef de l'État. Mais partout c'est calme et c'est de bon augure. Le moment est encore là pour qu'ils se ressaisissent, pour qu'ils travaillent davantage, afin qu'ils obtiennent leur BEPC, leur baccalauréat, leur CEP. Qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur déroule le tapis rouge l'année prochaine. S'ils échouent, ben ils iront faire leur scolarité dans un autre département, autre que celui de Brazzaville. Mais comment les responsables des centres apprécient-ils l'organisation et le déroulement des épreuves ? C'est un problème de discipline d'abord au niveau des enfants qui sont disciplinés comme ça et qu'il y a un grand événement qui est le BEPC blanc départemental qui se passe au moment où nous parlons. Là, vous avez vu que tous ces enfants-là sont dans des salles de classe et cela prouve qu'il y a le calme dans la cour. Du côté des candidats, l'objectif de la participation à cet examen blanc est clair. À travers cet examen, je peux au moins connaître que à ce niveau-là, je sais que je peux faire telle moyenne, voir le niveau que je suis arrivé pour affronter le rouge. Au total, 44 900 candidats dans la course dans le département de Brazzaville.